Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie de nos top 3 de la fin de l'été. Dans cette vidéo, je vais couvrir tous les résultats des Belges sur les circuits ATP, WTA et ITF depuis la première semaine d'août jusqu'à la fin de l'US Open. Et comme les résultats de ces messieurs ont été plutôt maigres, je vais à nouveau commencer par les filles. Après un début de saison tonitruant, Elise Mertens a clairement baissé de niveau depuis le mois de juin. Sa saison sur le gazon était vraiment décevante et son élimination d'entrée lors des Jeux Olympiques fut vraiment un crève-cœur tant on pensait qu'elle avait une petite carte à jouer dans ce tournoi. Sa fin d'été n'a pas été totalement rassurante, elle grimpe tout de même sur la première place de notre podium. Cette réussite, elle la doit en partie à son premier tournoi, le WTA 500 de San José, où elle s'est hissée en demi-finale. C'était la première fois qu'elle rejoignait le dernier carré d'une épreuve depuis le mois d'avril, donc c'était très positif. Sa défaite en demi contre Daria Kasatkina était tout de même à nouveau un peu décevante, tout comme ses éliminations prématurées au premier tour de Montréal, contre la future gagnante il faut le dire, et au deuxième à Cincinnati. Et il s'en est fallu de peu pour que son US Open tourne aussi très court. Face à la modeste suédoise Rebecca Peterson, Elise a en effet été contrainte à sauver 6 balles de match au premier tour en pratiquant un tennis très en dessous de ses capacités. Elle s'est bien reprise ensuite pour se hisser en 8e de finale, en battant notamment Hans Jaber, l'une des joueuses les plus en forme de l'été. Malheureusement, face à sa copine Aryna Sabalenka, Elise a une nouvelle fois montré ses limites, mais malgré cette défaite, la fin de son été était plutôt positive. Cette fin d'été marque un vrai tournant dans la carrière de Grete Minnen avec son entrée dans le top 100, je vous en parle dans quelques instants dans la page classement. Pour en arriver là, elle a d'abord franchi un tour lors du WTA 125 de Concord, avant de repasser par le circuit ITF. Aux 100 000 $ de l'Indiceville, elle se hisse en finale en dominant notamment l'espoir américaine Cathy McNally. Elle ne s'incline donc en finale qu'au tie-break du dernier set. Son tournoi suivant, le WTA 125 de Chicago, est plus décevant puisqu'elle est largement battue d'entrée par une joueuse repêchée des qualifications. Engagée dans le tableau préliminaire de l'US Open, Grete est battue au dernier tour par la Canadienne Marino. Cette défaite est un petit événement en soi puisqu'elle était sortie des qualifications lors des 4 derniers tournois du Grand Chelem où elle n'était pas directement qualifiée. Heureusement, une succession d'abandons lui a permis d'être tout de même repêchée pour le tableau final. Et Grete a bien saisi cette chance puisqu'elle s'est débarrassée de Podoroska et Samsonova pour atteindre son premier 3e tour en Grand Chelem. Largement battue par Andreescu, elle repartait tout de même de New York avec un grand sourire aux lèvres. Après son superbe début d'été en Europe, Marina Zanevska est partie aux États-Unis, mais n'y a pas connu de résultat du même acabit. Éliminée d'entrée à Chicago, elle a été battue dès le 2e tour des qualifs de l'US Open. Elle est rapidement revenue en Europe pour disputer un dernier tournoi sur terre, le WTA 125 de Karlsruhe. Et là, les choses se sont bien mieux passées puisqu'elle s'est hissée en demi-finale avant de s'avouer vaincue en 3-7 face à l'Italienne Trevisan. Après une belle tournée sur gazon, Alison Van Uytvanck a un peu marqué le pas en cette fin d'été. Bon, elle s'est tout de même qualifiée pour le Masters 1000 de Montréal, mais y a subi la loi de Donavekic. Lors du WTA 125 de Chicago, elle s'est fait surprendre d'entrée par une certaine Emma Raducanu qui allait sortir de l'anonymat quelques semaines plus tard. Contrainte à l'abandon la semaine suivante dans un WTA 250 également disputé dans la Windy City, Alison n'a rien pu faire non plus au premier tour de l'US Open face à l'Espagnole Paula Badoza, 26e mondiale. Nos joueuses du top du classement sont plutôt à la hausse, notamment Marina Zanevska et Grete Minnen, qui obtiennent le meilleur classement de leur carrière. Grete fait d'ailleurs son entrée dans le top 100 pour la toute première fois, un mois après son 24e anniversaire, et ça c'est une excellente nouvelle. Après un très bon mois de juillet qui lui avait permis de décrocher la deuxième place de notre dernier podium, Michael Geertz s'installe pour la première fois sur la plus haute marche. Une situation en partie due aux contre-performances de nos top joueurs, il faut le reconnaître, mais aussi aux bons résultats de Michael, qui s'enchaîne depuis plusieurs mois déjà. Quart de finaliste pour la première fois en Challenger en février, il a atteint sa première finale en double à ce niveau le mois suivant, avant de disputer une demi en simple à Pozzo Blanco le mois dernier. L'Anversois poursuit fin août en alignant 2 bons résultats consécutifs. Il se hisse tout d'abord en quart à Prague, avant de rejoindre Majorque où il est contraint de passer par les qualifications. Il rejoint tout de même le tableau final, non sans difficulté, et poursuit sa route jusqu'en demi, en faisant tomber 2 têtes de série, le Chilien Barrios et surtout le Portugais João Sousa, ancien top 30 mondial. Michael s'arrête à ce stade, mais avec les honneurs, puisqu'il ne cède que 7-5 au dernier set, contre la première tête de série, le Japonais Uchiyama.
Il dispute encore ensuite le tournoi de Séville, mais s'incline d'entrée face au grand espoir anglais Jack Draper. À 26 ans, il récolte enfin les fruits de son talent et de son travail, après avoir longtemps privilégié les études, où il a obtenu un master en finance. Ces prochains mois seront vraiment très intéressants à suivre. Depuis un an et demi, Ruben Bemelmans s'est fait plutôt discret, la faute au Covid principalement, puisque le Limbourgeois n'a disputé que 4 tournois après le retour du circuit l'an dernier. En 2021, il a également eu la chance de devenir papa, ce qui l'a également contraint à une pause au début du printemps. Son retour en pleine tournée sur terre battue, où il est rarement performant, s'est soldé par 4 défaites d'entrée. Il s'est tout de même un peu repris sur le gazon, avec quelques bonnes victoires, mais tout de même encore loin de son meilleur niveau. En août, il est repassé par un challenger sur terre, où il n'a pas pu faire grand-chose, contre Damir Dzumhur, mais on a pu revoir un Ruben proche de son meilleur niveau lors des qualifications de l'US Open. Il y a en effet franchi 2 tours, avant de ne céder que 7-5 au dernier set, lors du tour qualificatif. Du mieux donc pour Ruben, à confirmer aussi durant l'automne. La fin de l'été de Zizou Berks fut tout de même moins bon que le reste de sa saison. Il faut dire aussi qu'il n'a disputé que 2 épreuves en 7 semaines. Mais il a connu un moment clé dans sa carrière, avec une première participation en Grand Chelem pour les qualifs de l'US Open. Il y a d'ailleurs réalisé un bon parcours, puisqu'il a battu la tête de série numéro 9 du tableau, le péruvien Varias, au tie-break du dernier set. La semaine suivante, il était inscrit au Challenger de Saint-Tropez, mais s'inclinait d'entrée. Un résultat moyen donc, mais qui suffit pour monter sur le podium devant la faiblesse de nos autres joueurs. Car hormis ces 3 joueurs, il n'y a pas vraiment eu de raison de se réjouir. David Goffin a tenté un retour après sa blessure à la cheville à Hall, mais après 2 défaites d'entrée à Cincinnati et à l'US Open, sans même prendre un set, il a décidé de s'arrêter complètement et de ne revenir qu'en 2022 lorsqu'il sera à nouveau à 100% de ses moyens. Kimmer Kupayens, de son côté, n'a remporté qu'un match sur 4. Il a subi ses 3 défaites face à des joueurs mieux classés que lui, entre la 130e et la 150e place. Rien d'anormal donc, mais il va lui falloir battre ce genre de joueurs plus souvent s'il veut retrouver le top 100. Il y a eu tout de même 2 petites satisfactions avec 2 revenants. Julien Caninha a disputé 3 challengers à San Marino, Ludenscheid et Côme, et a même franchi le premier tour lors du deuxième. Malheureusement, en Italie, il a de nouveau été contraint à l'abandon. Jeroen Van Est n'a lui disputé qu'un seul tournoi, le Challenger de Varsovie, et il y a lui aussi franchi un tour. Au classement, c'est la chute vertigineuse et attendue pour David Goffin. Il perd 10 places après en avoir perdu 7 déjà en début d'été. Cette saison est vraiment à oublier au plus vite pour lui et on espère qu'il retrouvera rapidement son niveau en 2022. Zizou Berks s'installe un peu plus largement dans le top 100 et Michael Geertz obtient son meilleur classement avec cette 289e place. Tous les deux ont d'ailleurs été sélectionnés pour la première fois en équipe nationale pour disputer un match de qualification de la Coupe du Monde ITF face à la Bolivie. Avec 3 tournois futurs disputés sur notre sol au mois d'août, les joueurs belges ont été nombreux sur ce circuit en cette fin d'été. Et c'est d'ailleurs lors d'une de ces épreuves que Joris Delors s'est illustré. Au 25 000 $ de Coxide, où il a obtenu une invitation des organisateurs, le Flandrien s'est hissé en finale au terme d'un très beau parcours qui fait du bien après toutes les galères qu'il a traversées. Tout aurait pourtant pu s'arrêter d'entrée puisque, opposé au numéro 1 du tableau, le néerlandais Brouwers, Joris a remonté une situation très compromise pour s'imposer en 3 sets. Plus serein par la suite, il perd tout de même encore un set contre Arnaud Bovy en demi, mais se qualifie tout de même pour la finale où il ne s'incline que 7-5 dans la dernière manche contre le français Pirchico, 5ème tête de série. Joris, je vous le rappelle, a fait son retour sur le circuit en juillet, après 2 ans et demi sans rencontre officielle suite à une grave blessure. Sa dernière finale en futur remonte à l'été 2016, puisque avant de se blesser, il disputait plutôt des challengers et était même en passe de rejoindre le grand circuit. Il en a d'ailleurs encore disputé un à Kiev durant l'US Open, mais il s'est incliné en 3-7 au premier tour. C'est en Allemagne que le deuxième joueur de notre podium, Christopher Heymann, a réalisé sa meilleure performance de l'été. Au 25 000 $ de Wetzlar, où il était tête de série numéro 6, il a lui aussi rejoint la finale et n'est pas passé loin du titre non plus, puisqu'il s'y est incliné en 3-7 serré. Précédemment dans ce tournoi, il n'avait pas perdu un set, y compris lors de son quart de finale contre la deuxième tête de série, le russe Vatutin. Christopher ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a encore atteint les quarts de finale à Coxide, après être sorti des qualifications. Dans la station balnéaire belge, il a également battu le numéro 2 du tableau, le britannique McHugh, avant lui aussi de céder contre Pirchico. Comme Joris, Chris a encore disputé un challenger, c'était à Varsovie, et il s'y est incliné au deuxième tour des qualifications. Après quelques mois un peu compliqués, Gauthier Onclin a retrouvé le sourire fin août. Le Liégeois a été battu par Christopher au premier tour à Wetzlar, puis il s'est incliné en 3 manches au second tour de Coxide, mais a oui pour un 15 000 $,
il s'est qualifié pour la finale dans un parcours où il s'est montré très convaincant, notamment lors de la demi face à la première tête de série, le Français Gauthier. Malheureusement, il n'a pas su conclure la finale où il avait pris le meilleur départ face au Néerlandais Den Houden. Et à Eupen la semaine suivante pour un nouveau 25 000 $, Gauthier a perdu au deuxième tour, là aussi en 3-7. Dommage qu'il n'y ait que 3 places sur un podium, car Raphaël Collignon n'aurait pas fait tâche aux côtés de Gauthier. Battu en qualification d'un 25 000 $ en Allemagne début août, Raphaël a franchi un tour à Coxide avant d'atteindre le dernier carré à Wi. À 4 mois de son 20e anniversaire, Raphaël signe là sa deuxième demi-finale après sa finale à Monastir en mars dernier. Sa progression se poursuit donc sur un bon rythme. Arnaud Bovy a bien débuté son mois d'août avec un deuxième tour à Francfort, puis une belle demi à Coxide. Au premier tour de ce tournoi, il bat notamment Yannick Mertens, une figure emblématique au niveau des futurs en Belgique. C'est la toute première fois qu'Arnaud atteignait ce stade dans un 25 000 $, donc c'est une très belle performance. Malheureusement, il va se montrer moins percutant par la suite. Au 15 000 $ de Wi, il s'incline au deuxième tour face à son pote du centre AFT, Raphaël Collignon. Puis à Eupen, il perd carrément d'entrée. Dommage vraiment, car Arnaud semblait sur la bonne voie avant ses deux contre-performances. Ah oui, Maxime Powels est parvenu à sortir des qualifications avant de perdre contre le français Perchico, tout juste vainqueur à Coxine. À Eupen, Maxime a fait beaucoup mieux, puisqu'il s'est hissé en demi en battant les 4e et 5e têtes de série. Il s'agit de la 10e demi-finale de sa carrière, mais seulement la 2e en 25 000 $. Simon Baupin a disputé les 3 épreuves belges. S'il n'a pas réussi à franchir le premier tour à Coxide, il s'est qualifié pour le 2e à Wi, en battant la 6e tête de série. Il a surtout atteint l'écart à Eupen, et c'est une première pour lui dans un 25 000 $. 4 jeunes belges ont marqué des points durant cette tournée. Romain Faucon a atteint son tout premier quart de finale en futur, et c'était directement lors d'un 25 000 $ à Eupen. Dans l'Ostbelgien, il a remporté 5 matchs, puisqu'il a dû passer par les qualifications. Alexander Hogmartens a atteint le même stade, lui aussi pour la première fois, lors du 15 000 $ d'Oldenzaal aux Pays-Bas. À Eupen, il a par contre été battu d'entrée par Simon Baupin. Buvaizer Gadamori est sorti des qualifications à Wi et à Eupen. Lors de ce deuxième tournoi, il est parvenu à franchir le premier tour dans le tableau final. Enfin, Olivier Roras a disputé les qualifications des 3 épreuves belges. Il n'en est sorti qu'à Coxide, mais il a ensuite gagné un match de plus dans le tableau final. Il n'y a eu qu'une seule vraie déception lors de cette fin d'été, c'est le parcours de Yannick Mertens. Habitué à briller en futur puisqu'il est notre recordman de victoire à ce niveau avec 28 titres, il enchaîne les mauvaises performances, même à ce niveau, depuis le début de l'été. En août, il a disputé les 25 000 $ de Francfort, Coxide, Bagnères de Bigorre et Sintra, mais n'a pas remporté le moindre match. À 34 ans, il est vraiment temps de redresser la barre. Au classement, on voit en effet que Yannick poursuit sa lente descente. Sans surprise, les vainqueurs du mois sont les joueurs dont je viens de parler. Chris Heyman, Gauthier Onclin et Raphaël Collignon sont en hausse. Yoris Delors, lui, effectue son retour dans le classement avec une entrée directement dans le top 1000. Alexander Hogmartens, Michael Debus et Olivier Roras font leur première entrée, alors que deux joueurs, Romain Barbosa et Nicolas Demeroutis, quittent ce classement. Si les résultats des Belges sur le circuit ITF masculin ont été nombreux, le bilan chez les filles reste famélique, comme depuis le début de la saison. Magali Kempen est la seule qui peut être satisfaite de sa période, principalement en raison de sa demi-finale à Coxide. Il s'agit de la 2e demi de sa carrière en 25 000 $, 2 ans après avoir atteint le même stade sur les mêmes terrains. Dans ce tournoi, elle a également dominé la grecque Valentini Grammatikopoulou, 229e mondiale. Il s'agit là de la meilleure perf de Magali depuis le début de sa carrière et de la 4e top 300 qu'elle accroche à son tableau de chasse. Ses autres sorties n'ont pas été aussi profitables, puisqu'elle s'est inclinée d'entrée à Parnoux début août et à Saint-Palais-sur-Mer en septembre. Et c'est pour ainsi dire tout pour ce circuit, à tel point que c'est Lara Salden qui obtient la 2e place de ce podium, malgré un retour de blessure plutôt difficile à gérer pour l'instant. La Limbourgeoise, qui avait dû se faire opérer après une déchirure au muscle pelvien en juin, est revenue à la compétition début août et a disputé 5 épreuves. À Parnoux et à Radom de 25 000 $, elle a réussi à franchir un tour. Par contre, elle a été battue d'entrée à Oldenzaal et lors des 60 000 $ de Prerov et de Bellerive. Top 250 en début d'année, Lara a déjà chuté d'une centaine de places à cause de cette blessure et il lui faudra sans doute encore du temps pour retrouver la plénitude de ses moyens. Pour la 3e place, il a fallu creuser loin. Elissa Van Langendonk est sortie des qualifications dans un 25 000 $ à Coxide et c'est la 3e fois qu'elle y parvient après l'avoir déjà réussi 2 fois en Afrique du Sud au mois de février.
Elle a ensuite franchi un tour dans les qualifs du 60 000 dollars de San Bartolomé. C'est maigre, mais c'est tout ce qu'on a. Pour le reste, et malgré deux tournois disputés en Belgique, une seule autre joueuse est parvenue à gagner un match dans un tableau final ITF, c'est Chelsea Van Hout au Caire. Malheureusement, elle a perdu d'entrée les quatre autres tournois qu'elle a disputés. La palme des résultats catastrophiques est venue de Wanfer Sebolet, où aucune de nos six joueuses inscrites dans le tableau final n'a pu remporter un match. Et ce n'était pas mieux en qualif, puisque seulement deux de nos sept joueuses inscrites ont remporté un match avant de se faire battre lors de leur deuxième tour. Il est grand temps de faire quelque chose pour notre tennis féminin. Ce sont en fait les joueuses nées au tournant du siècle, de 1997 à 2002, qui devraient parcourir ce circuit, et il y avait du talent parmi elles, mais beaucoup ont été blessées ou sont démotivées par le manque de soutien qu'elles reçoivent, notamment pendant la difficile période du lockdown. Certaines ont même cumulé les blessures et la démotivation. La fédération doit absolument se pencher sur ce problème, il y a vraiment urgence. Au classement, Magali Kempen est évidemment une des seules à avoir le sourire. Il y a quelques autres légères montées, mais la plupart de nos joueuses sont en baisse. Des baisses minimes pour l'instant, donc elles ne sont pas affichées ici, mais elles se poursuivent de mois en mois. Vous le voyez aussi, Kim Clijsters sort de ce classement, faute d'avoir joué depuis un an, mais elle reprendra tout de même la compétition fin septembre à Chicago. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé. Voilà, ceci conclut la première partie de nos podiums pour la fin de l'été. Très prochainement, je publierai la deuxième partie, durant laquelle j'évoquerai les résultats en double chez les jeunes et surtout la fin du Belgian Circuit. Ciao !